Guillaume Canet, qui est à l'affiche du thriller La prochaine fois je viserai le cœur diffusé ce lundi 29 mai sur France 3, s'est un jour retrouvé dans une situation invraisemblable en compagnie d'une femme qu'il cherchait à séduire. Un rencard qui a rapidement viré au cauchemar. Ce lundi 29 mai à 21h10, France 3 diffuse La prochaine fois je viserai le cœur, un film policier inspiré de l'affaire Alain Lamar et du roman Un assassin au-dessus de tout soupçon d'Ivan Stefanovic. Dans ce long métrage, Guillaume Canet incarne un jeune gendarme timide qui va enquêter sur ses propres meurtres, jusqu'à perdre le contrôle de la situation. D'ailleurs, n'avoir aucune maîtrise sur ce qu'il se passe, si est-il un cas de figure dans lequel s'est déjà retrouvé le papa de Marcel et Louise, né de sa relation avec Marion Cotillard, note de la rédaction, mais dans un tout autre contexte. En effet, il y a 3 mois sur la chaîne YouTube Legend sur laquelle Guillaume Play reçoit des personnalités, il s'était confié sur son pire rencard. Tout a commencé lorsqu'une femme qu'il trouvait très charmante et qu'il avait rencontrée dans un café lui a proposé de la rejoindre chez elle. Mais une fois arrivée sur place, elle l'a accueillie sur le palier de son appartement, sans toutefois l'inviter à rentrer. Le comédien avait également précisé qu'elle chuchotait. Une situation étrange, qui s'est prolongée pendant quelques instants avant qu'elle ne décide finalement d'ouvrir la porte de son appartement. Si est-il alors à ce moment-là que l'acteur est tombé des nues, je rentre et là je vois, dès qu'on rentre, un canapé lit ouvert et un mec de 50,60 ans qui dort. Il a ensuite expliqué avoir été tétanisé sur le moment, ne savant pas quoi faire, avant de se rendre compte qu'il s'agissait en réalité du père de la jeune femme. La situation étant alors devenue trop embarrassante, il décida de prendre la fuite, « Je me suis sauvé. Je suis sorti, je suis reparti au bar, où il se trouvait avec des amis juste avant son rencard », note de la rédaction. Une anecdote hallucinante donc, racontée par le réalisateur du dernier Obélix, et qui fait notamment penser, dans la forme, à celle racontée par Danny Boone, également sur la chaîne YouTube Legend. L'acolyte de Kad Merad avait raconté avoir surpris sa conjointe de l'époque avec son ex. Just keep, keep, yeah.